et tous, donc nous revoilà en direct de Sabouge pour assister aux parties exhibition avant que cette très jolie journée se termine. Sur Rocher, un petit commentaire, non? Si vous avez des... Alors, cette personne. On écoute la présentation officielle de Kylian et on reprend la petite interview juste après. Bien sûr. Voilà. Donc vous allez assister à la présentation officielle de la partie exhibition. Donc, Madame Vantard, maire de Sabouge. Donc Madame le maire, on dit. D'accord. Il vient de commencer la pétanque, il voulait dire comment ça se passait, on lui a dit volontiers. Non, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Dylan Rocher. Également, tous nos applaudissements pour Monsieur Alain Bourillon, président du comité du CD21. Monsieur Alain Bourillon, président du CD21. Donc, Monsieur Tristan de Mangeau, donc, membre du comité de Côte d'Or et président de la commission de discipline. Alors lui, il faut quand même éviter de l'avoir trop en face de nous. Hein, c'est... Donc, Apolline Garien, donc championne de France. Apolline Garien. Triple championne de France, vice-championne de France, doublette avec sa belle Chantal Salaris. Ou nouvelle gloire côte d'Orienne, on va dire, chez les féminines, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Madame Sylviane Boudot, qui fait partie de la pétanque. Qui fait pas partie du club et qui pourtant nous a donné un coup de main. Voilà, donc pour en revenir avec Sébastien. Merci, c'est dit, c'est ça. Donc, même pour toi, Sébastien, ton ressenti personnel aujourd'hui, parce que tu n'es pas non plus un adepte énorme de la pétanque, on va dire, on te voit pas souvent sur les concours, etc. Qu'est-ce que tu penses pour toi perso d'avoir chez toi dans ton club un champion du monde tel que Dylan? C'est une fierté d'avoir un joueur avec cette trempe venir dans un club. Moi, bon, après, je suis pas adepte de la pétanque. Ça fait 9 mois que je fais de la pétanque. Donc justement, t'imagines, si ça fait 9 mois que t'es, on va dire, licencié, tu as en face de toi un champion du monde, champion d'Europe, vainqueur des plus grands tournois nationaux, mondiaux et tout ce qui va avec. T'imagines, pour un pilote de Formule 1, s'il aurait l'occasion de voir Michael Schumacher ou un joueur de rugby, Chabal ou Zidane, tu vois ce que je veux dire, c'est énorme. Tout à fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel d'avoir un joueur qui peut venir... C'est magnifique de voir un joueur comme ça. Et puis franchement, une belle organisation, parce que quoi qu'on en dise, avec que 27 licenciés, on le rappelle, hein, 27 licenciés dans le club de Sabouge, c'est vrai que au niveau d'organisation, tout ce qui a été protocole, gestes, barrières, et même les barrières qui vont avec, et enfin, tout a été au top, quoi. Ça a été un travail de très longue haleine, en sachant que on a eu peu de temps pour s'organiser. Oui, c'est suite, en discutant avec Kylian tout à l'heure, c'est ce qu'il me disait, oui. Suite à l'affaire du Covid, à savoir si on aurait pu accueillir autant de personnes sur le site. Après, votre site est quand même magnifique, hein, y a de la place. Hein. C'est sûr. Il y a de la place. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon. Ben écoute, On est bien, je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Je vous remercie, vous, la web, d'être venu ici. C'est nous qui vous remercions, parce que... Profitez des derniers instants avec Dylan en vue. Ouais, faut en profiter, parce que je vois qu'il est déjà 16h27 et il reste à peine 1h30. Faut oublier que Dylan a quand même pas mal de routes pour redescendre, oui. Hein, parlant de 7h. En sachant qu'il y a du monde sur les routes, donc... Faire attention à tout ça. Eh ben écoute, Sébastien, en tout cas, je te remercie. Je te dis, nous, on se reverra tout à l'heure, je pense, hein, bien sûr. Dans pas longtemps, je pense. Et puis, écoute, on va laisser Patrick, s'il veut nous dire un petit mot. Pas de souci. Merci à vous. Eh ben merci, Seb, à tout à l'heure. Merci à toi. Et voilà l'homme qu'il faut dans une équipe pour rattraper la mène. Ouais, il lui faut mieux avec toi que contre toi, hein, c'est sûr. Hein. Non,
mais même contre. Hein. Oh, Alain, elle est belle. Voilà, on l'a vu à ma beauté. Alors là, on va voir. On va voir Apolline dans son exercice de prédilection. Alors, je pense que ça va être un mano-mano au milieu. Voilà. Ça va être lancé au bouchon. Dylan qui regarde avec admiration parce qu'il n'avait encore pas vu Apolline pointer puisqu'elle s'occupait un peu du tir cet après-midi. C'est ça, ouais. Mais elle va tout pointer comme ça. Hein, puis c'est les terrains qui lui conviennent. Hein. Du coup, on la connaît bien. Donc là, il n'y aura pas de soucis, elle va toutes les mettre. Eh ben ça fait 2-0. Alors on pourrait peut-être mettre les scores aussi en même temps. On va regarder pour les mettre. Un petit peu de monde encore pour regarder cette partie qui est que la première, parce qu'il y aura encore une deuxième partie après. Voilà, partie VIP. Alors, on va vous changer un petit peu. Et ici, Christophe, on est d'accord, on va l'appeler le CD21. Voilà. L'équipe du comité. J'aurais mis Garia, moi. Les deux stars de la journée, donc. Voilà. Eh bien, écoute, on va mettre. Ouais, moi j'aurais mis Apolline parce que. On va mettre Garia. Elle a le maillot, hein. Ouais, voilà. Et elle le mérite. Donc, le champion du monde contre la championne de France. Alors, on sait que la connexion est très juste pour faire un live, mais dès que la vidéo sera terminée, vous pourrez la voir dans une condition normale. Ah. Ah, ils ont déjà tourné dans l'équipe à Dylan. Ça a duré une semaine. Voilà, Caro. C'est vrai qu'après, ça reste quand même un phénomène. Hein. Ah oui. Hein? Bah, tout au long de la journée, alors pas uniquement qu'à la pétanque. Hein. Je veux dire, on a pu conserver tout au long de la journée. Sa gentillesse, sa disponibilité envers les gens, les jeunes, les plus âgés. C'est ce que je disais intérieurement avec Kylian tout à l'heure au niveau de l'humain. On parle de la personne humaine, on parle pas que du joueur de pétanque parce que j'ai rien à reprocher au niveau du joueur de pétanque, ça c'est sûr. Mais il est arrivé tard hier soir. Il retourne à Fréjus ce soir en sachant que on est une zone rouge sur la route. Jusqu'à Lyon et après Lyon. Donc il rentre après juste ce soir, donc il y a plus de 6 heures de route, sans compter les bouchons. Il n'est encore pas rentré, on va dire. Voilà. Donc on est là sur la première partie et on devrait faire la deuxième juste après. C'est ça. Mais après, comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure au micro, Dylan exceptionnel au niveau du jeu et au niveau de la sympathie de ce gars, quoi, entre guillemets. Hein. Et j'ai la chance d'en connaître un autre, moi qui s'appelle Bruno Le Boursicot, c'est ce que je disais tout à l'heure au téléphone, en direct. Et c'est vrai que Bruno, c'est pareil, on l'a encore vu cette semaine sur l'équipe 21 remporter le trophée l'équipe en tête-à-tête contre le Marocain, 13-12. Déjà dans les poules, il avait gagné 13 à 12 contre lui. En finale, il a regagné 13 à 12. Et on l'a vu à la fin, tout champion qu'il est, tout humain qu'il est, verser une larme parce que Jean-Luc Robert lui a peut-être dit des paroles qui l'ont beaucoup touché. Et on voit que ça reste un humain et que, en fait, ils sont abordables. Et c'est super pour la pétanque, pour le sport. C'est, voilà. Alors, dernièrement, j'ai discuté avec Bruno Le Boursicot. Elle est là. Pourquoi? Tire un peu la boîte, elle est au coin là.
Là au coin. Ah oui. Moi je voudrais pas y aller celle-là parce que Allez, ensuite on va vous proposer une deuxième partie avec d'autres invités. Oui. Il y a Christian Demangeau aussi, hein, il met tout, hein, également, c'est à peu près. Et là, un peu, c'est un vrai pointeur pur, et puis il s'est roulé, il s'est demi-donné. Christian, qui est quand même demi-finaliste du Championnat de France vétéran il y a 2 ans, s'est incliné avec ses collègues Jean Monod et Gilles Poffol. Ah, contre Fasino, l'équipe Fasino, contre Christian Fasino, 13-12, chez Christian Fasino, si mes souvenirs sont bons, c'était du côté d'Albertville, donc c'est pas très loin de chez Christian Fasino. Et l'année dernière, elles ont échoué, si mes souvenirs sont bons, en quart de finale. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur la page Pétanque Movie. Je vous remettrai quelques interviews qu'on n'a pas filmées en direct. Et je vous montrerai également quelques albums photos et des vues aériennes par par la société du président du club des Chabouges, oui. Kylian, qui a fait décoller un drone tout à l'heure, tout au long de la journée, et qui m'enverra les vidéos et les photos, et on vous montrera ça sur la page Pétanque en vie. Alors, quant à nous, avec Christophe, c'est vrai qu'on n'a pas eu, comme tout le monde, on n'a pas pu jouer, on n'a pas pu faire quelques manifestations, c'est-à-dire nationaux, qu'on avait prévues au calendrier, qui ont été annulées. Joli carreau, hein, la Pauline. Oui, ça m'étonne même plus. Hein. J'adore quand on dit que la Pauline Guerrière, c'est une pointeuse pure, j'adore. C'est vrai, c'est une pointeuse pure. On a son papa à côté qui confirme. Hein. Voilà. Et nous, on va se rendre en Belgique au mois de septembre. Rejoindre Gers Peers, qui est l'organisateur d'un international à Mazeker en Belgique. C'est ça. On va les faire, on va les filmer, on va les faire des lives dans son international. Alors l'international, je tiens à préciser que c'est pas un international comme on a l'habitude de voir en France, c'est-à-dire que les organisateurs invitent 2 à 3 équipes par pays. C'est ça. Voilà, par pays organisateur. Donc ça fait un petit un mini championnat du monde. C'est voilà. Ça. Alors j'en ai discuté un peu avec Dylan tout à l'heure, et Dylan me disait que mais lui il ne partirait pas à l'étranger cette année. Donc mais il connaît bien ce tournoi, donc Oui, il a déjà participé. Alors du coup, moi comme je fais dans le cadre de mon travail, je fais beaucoup de déplacements à l'étranger et je connais bien le club de New Delhi, oui. De pétanque, il y a un club à New Delhi en Inde de pétanque que je oui. connais bien le président et quelques joueurs, j'ai déjà échangé quelques parties avec eux. Ils m'ont dit non, on viendra pas. Alors oui, c'est vrai que la situation du Covid aujourd'hui, elle est compliquée. Là, pour le coup, même moi, dans le cadre du travail, je ne peux pas me rendre en Inde. Mais voilà, c'est une manifestation. On va y aller. Il y aura du beau monde, il y aura d'autres invités qu'on connaît pas encore aujourd'hui parce que c'est assez. Ils ont tous pas donné les réponses, mais il y aura vraiment du beau monde. Donc on sera au mois de septembre. En espérant que le virus aille mieux et qu'on ne soit pas de nouveau confiné. Voilà. Donc en espérant. Donc, un point pour l'équipe Rocher, du coup, qui passe à 5-2 suite au manqué double. Hein, on va dire une boule d'Apolline, une boule de Christian qui ont manqué pour la marque. Et c'est Diane qui pointe très bien depuis tout à l'heure. Hein. Oh là, monsieur le président qui tombe derrière. Alors, problème. Voilà. Allez, 5-2 pour l'équipe Rocher. Et la
ne s'engage pas très très bien pour l'équipe du CD21. Même très mal, même. Pas trop levé. Parce que la quatrième boule va arriver. Et quand on sait que Dylan a encore deux boules, ça peut faire un petit peu peur. Ah, c'est perdu encore. Ouais, c'est levé, je pense. Un terrain comme ça, c'est pas. Ah ouais, Pauline, normalement dans son exercice, devrait gagner le point. Voilà, c'est. C'est perdu peu. Aussi. Les terrains sont durs hein, quand même. Oui. On va dire que c'est pas de la sablette. Hein. Là, ça peut être cher. Voilà. Il y a Dylan qui va se faire un régal d'aller au rond. Alors bon, elle s'est mis au bouchon. On sait jamais. Et quand même, la boule moi. Ah, vu les terrains, je pense que ça sent le carreau. Ouais. Ah, tu vois. Alors, voilà, c'est ça le problème, mec. Bon, bah là, ça va rajouter parce qu'il y en a deux. Hein. Je sais pas si deuxième hier, je dirais que oui, mais je suis pas sûr. Ah, parce que là, il y en a même trois. Il y en a trois. De toute façon, parce qu'il y a encore trois boules en main, hein, quand même. Ah non, il n'y a que deux. Dylan tire à trois. Ouais, il va tirer. Bon, allez, c'est une partie d'émission. Je pense qu'il serait associé à. Oui, la quoi, il aurait pointé. Hein. Voilà. Je vais taper. Il y en a trois, encore deux boules en main. Hein. C'est... Ça peut monter à 10. Hein. C'est dangereux pour l'équipe Garien associée au comité de Côte d'Or. Moi je tournerais dans l'équipe adverse, je ferais pointer Apolline. Bah, elle pointe. Ah ben, j'ai oublié, c'est Christian de Mangeau le pointeur. Je pense qu'Apo elle est très à l'aise sur ces terrains-là au point. Elle est belle, en l'air. Avec Kylian qui décompresse un peu. Alors faut pas jouer en face du but. Hein. C'est écarté. Hein. Ouais, il est con, mais bon. Alors, du coup, il y en a 5. Hein. Eh ben, 5 et 5, 10, 10 à 2. En faveur de l'équipe organisatrice Kylian Levantard, Sylvain Boudot et Dylan Rocher. Ouais, c'est compliqué parce que Dylan le cadre, on fait carreau à chaque fois, point très bien aussi. Ah ben, depuis tout à l'heure, je pense que, mis à part la première main, peut-être aussi l'appréhension de jouer avec Dylan, je pense qu'elle a vraiment bien pointé depuis tout à l'heure. Hein. C'est perdu encore hein, de la part de Christian. Allez, Alain Goyon. Au tir. Marco Foyo Dijonais. Il y en a qui l'appellent comme ça. Oui. Même des fois, quand on va jouer à la Lyonnaise, les joueurs de Lyonnaise l'appellent comme ça parce qu'ils connaissent la pétanque. Tout le monde connaît Marco Foyo, donc forcément, voilà. Hein. Marco Foyo, d'ailleurs, qui nous a bien fait rire et bien fait profiter un peu de ses très très belles anecdotes pendant le confinement, là, toutes les parties de boules qu'il a pu gagner depuis 40 ans qu'il joue aux boules. Alain qui est content, il fait un doublé non, sur la main. Oui. Hein? Alain qui est content, il a fait un doublé sur la main.
Un peu de spectateurs, hein, et quand même. Oui, parce que je pensais que pour des parties exhibition, il y aurait peut-être le monde serait un peu parti. Mais je pense que les gens, comme ils se disent, ils ont envie de voir Dylan parce que tu le vois pas une fois dans ta vie, mais c'est pas tous les jours qu'il va venir à Sabouge ni à Dijon. Enfin, bon, du coup, autant en profiter jusqu'au bout. Hein. Donc, très belle reprise de Kylian Vantar qui va obliger Apolline à aller au rond. Allez, Apolline Garien, elle reste sur un carreau. Hein. Elle va s'en faire deux. Ah. Voilà. Elle a touché deux fois, hein, comme le précise parce Alain. Que, vu l'épaisseur du terrain, j'ai bien peur que Dylan se régale d'aller tirer. Et les deux étant en ligne, je pense que ça peut faire bobo. Hein. De toute façon, il va y aller. Hein. Faut pas rêver, il va y aller. Non, mais il va tirer. Ah, il écoute les conseils de Sylvain. Voilà. Sylvain a dit on tire, donc du coup il va tirer. Ah ouais, c'est quand il y a le chapeau est foutu. Mais il a pas besoin de. Il a pas besoin de beaucoup de concentration. Non, c'est un tireur. C'est un tireur d'instinct. C'est un tireur d'instinct. C'est vrai qu'il a besoin de beaucoup de concentration hein, quand il va. Alors, il faut le dire, il faut quand même le préciser. Nous, on est là depuis ce matin. Dylan Rocher a été fantastique avec tout le monde. Il a été très, très, très sollicité par les gens pour les photos, les autographes, etc. Pour les ateliers de tir, moi j'ai fait l'atelier de tir également avec lui. Il a donné beaucoup de conseils aux jeunes, aux moins jeunes, aux plus jeunes, même aux retraités. Même aux joueurs confirmés. Hein. Même aux joueurs confirmés, mais il a été fantastique tout au long de la journée. Et il le comptait. La journée n'est pas terminée, il y a encore une partie, on va vivre la fin de cette partie, et on vivra la deuxième partie en sa compagnie. Et ah ouais, c'est fantastique. Ouais. Et Apolline Garien, c'est la dernière boule, non? Non, Christian en a encore une. Ah, parce qu'on parle beaucoup, mais on suit pas trop. Allez. Et voilà, encore un pile. C'est incroyable. C'est incroyable. Reste les trois carreaux, hein, pile. Hein. Mais la pilote se démonte pas. Hein, alors, je persiste à dire quand même que c'est la meilleure au point. Je suis d'accord. Mais je pense qu'elle serait aussi forte au tir, hein, quand même. Hein, faut... Dans le département? Ah, je suis parce que. Ouais, je pense que dans le départ, enfin, c'est pas du hasard. Hein, Bien sûr que c'est pas du hasard. Moi, On sait qu'on ne peut pas être champion de France par hasard. Alors 2018, l'année dernière avec Chantal Salaris, vice-championne de France doublette. Elles sont quand même championnes de France des clubs. Voilà, gagnent très souvent. Apolline Garien entraîne bien sûr. Très souvent. Sans oublier qu'en mixte avec Cédric Okibus, son mari, ils sont très très durs à accrocher chez nous. C'est une équipe qui a déjà battu. Des équipes comme Quintet, comme Webel, au National à Dijon, donc ça reste très costaud. Après, je pense que oui, Apolline est un peu au-dessus du lot de certaines filles, pas de même de beaucoup de filles. Et voilà, ça sort, on est juste en face, quand la boule sort, quand ça sort comme ça, il n'y a rien à dire. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, Kelly Fuchez aussi, qui reste pour moi, à mes yeux, une des meilleures. J'ai été délégué au doublette mix national, au championnat de France ou d'être mix à Limoges. On a joué à côté de Dylan Rocher justement, qui a perdu en huitième de finale contre Tremblot. Et l'année d'avant, c'était à Carmont, il semble, avec Apolline Garien et Cédric Coquelus, perdu la partie après les poules contre Tyson Joseph Moulinas. Et Mouna Béji, non mais bien sûr, mais je veux dire après, voilà. Donc on a de très très bonnes équipes, surtout en mixte. Pour le France, surtout. Même en féminin, a quand même, comme on disait, Apolline qui est championne de France triplette, vice-championne de France doublette. On a eu l'équipe avec Lélie Fuchès, Lucie Milanetto et Elodie, alors pardon pour son nom de famille, je ne m'en rappelle plus, la compagne d'Adam Mirabu, qui sont demi-finalistes du championnat de France triplette l'an passé. John et Kelly qui ont perdu un 8e du France mixte. Faut le refaire, hein. Ah, alors là, du coup, on pourra pas vous prendre le bouchon parce qu'il est à ras de la botte de paille. Ouais. Combien qu'il y a, Kylian? 10-4.
Alors on va vous commenter un petit peu la fin de la main parce que voilà, le bouchon est... Le bouchon a démarré et... Et... Oh là. Alors peut-être ceci, hein, je voudrais vous peut-être vous montrer... Hop, voilà, si je décale là et non, parce que le bouchon est vraiment à ras de la botte de paille. Il est à ras des bottes de paille, oui. Donc, il y a à peu près, on va dire, 11 mètres, 11 mètres 50. Loin, je pense. Voilà. Allez, c'est bon, on est parti donc, sur la deuxième caméra. Sylviane qui a fait un point un peu bâtard, 1 mètre 50 devant, et Apolline qui a perdu le point. Hop, ah ben elle vient bien. Voilà, magnifique. Ah. Alors on a confiance en Kylian, hein, le président du club de Savouges. Oui, ce serait bien qu'il évite de nous mettre... La boule est à 1 mètre de l'écran. Elle est pas loin. Oui, elle y est enregistrée, mais la boule est à 1 mètre de l'écran, donc voilà. Mais on a confiance. Hein. On a confiance. Allez, Kylian Vantard, le président de la boule savougeoise. Allez, juste pas droit. Je savais qu'on allait faire... Non, presque. Voilà. Ça va, j'ai ressuscité. Je savais qu'il t'en voulait, hein, quand même. Hein. Elle a pris plein là-bas, là-bas. Il l'a pris plein bois. Merci, Kylian. Je savais merci, qu'on allait... Merci, Kylian. Ah, c'est bien sympa. Eh ben, peu plus, on est allé voir la première cascade en direct, j'ai failli tomber. C'est ça. Ah oui. Allez, là, on a raccourci un petit peu le jeu, hein, environ 7 mètres maximum. Oui, je pense, oui, voilà. Oui, 7 mètres, oui. Allez, on va passer sur l'autre caméra. C'est pas bien donné parce qu'elle était bien lancée. Hein. Ouais, tombé dur. Tombé dur. Décide de tirer. Voilà. Alors, voilà. Lui annonce un tir à la ligne rocher pour la sortir seule. Et allez, voilà, c'est fait, hein, bravo. Ah, ça va bien jouer, hein, dis donc. Ah, y a rien à dire, hein. Elle joue plein depuis tout à l'heure, hein. Ouais. Allez, Alain. Il faut y aller, hein. Ah, je crois que t'as pas trop le choix, oui. Allez, dans cette partie VIP, on est à 10 à 4 pour l'équipe Rocher contre l'équipe Garien. Ah, c'est tapé encore. Oh, bah, je pense que ça va contre-attaquer sévère. Hein. Oui. Allez, Dylan Rocher. 4 boules à 2, c'est pas très long. Oh, elle est juste devant. Hein. Ah, ça rassure, il est humain, ouais. Il manque des boules. Oui, c'est la première qui manque. Ah, mais c'est pas grave. Non, mais ça rassure, il est humain, il manque des boules. Il vient lâcher pour la deuxième. Ah, il ne faut pas compter qu'il en fasse deux, hein.
Surtout que la première est très bien tirée, hein. Sa première est mieux tirée que sa deuxième, je pense. Parce que même lui, il y a vu, hein. Allez, Apolline Guérien dans ses œuvres. Ça fait plaisir au papa qui est à côté. Ah, j'ai failli lui faire retenir la boule, mais non. Ça ne marche pas. Allez, Kylian Vandoor. Deux carreaux, il a gagné. Et voilà. Un quart d'heure deux fois. Juste pas droit. Ah, je pense que Kylian a un petit peu de pression quand même. Oui, bah après, voilà, on en a discuté, bon, on peut en reparler. Mais, non, mais voilà, franchement, je me mets à sa place, c'est vraiment pas facile. Voilà, il est jeune, il a organisé. Et je pense que c'est surtout le stress journée, aussi, le stress de la journée, bien sûr. Le stress pendant des mois, le stress encore de la journée. Hein. Parce que en plus de ça, moi, il en jouait déjà plusieurs fois avec lui chez nous à Fenay, avant qu'il participe, il était chez nous à Fenay. Il a un bon bras, il envoie bien les boules. Ben après, il est aussi, tu vois que c'est un jeune qui sait jouer à la pétanque. Il est aussi fatigué. Hein. Ah oui, ouais. Non, mais bien sûr. Apolline Guérien. Bah, Pauline, elle n'est pas fatiguée, elle, par points. Contre. Là, Alors c'est deux ou trois, je ne sais pas. Deux, deux points. Eh bien, 8 pour l'équipe Guérien contre Dylan Rocher, toujours à 10. Allez, Dylan qui ne décolle plus depuis tout à l'heure. Hein. Il menait 10 à 2, ils sont 10 à 8. Allez, pour cette fin de partie VIP. Un petit peu... le micro de Kylian. Voilà. Wow. Christian revient. Ah, Dylan va faire en pointer une parce qu'il sait que s'il vient de pointe bien. Elle pointe très bien depuis tout à l'heure, elle est un peu derrière, on ne sait jamais. Un petit devant de boule, ça peut tout faire. Hein. Allez, on va changer la caméra pour avoir une vue un peu mieux. C'est gagné encore. Hein. Ah, c'est ce que je disais, hein, Kylian sait que s'il vient de pointe bien, et du coup, il a raison de la faire pointer. Hein. Allez, on va encore ranger le président. Allez Alain, mets droit. Hein. Mets droit à droite. Hein. Ouais, te trompe pas, parce que c'est le bordel. Il y a Borillon qui reste quand même sur une bonne série là, de tirs, hein, quand même. Hein. Non, mais ça joue, tiré, pas mal. Hein, ça joue pas mal depuis tout à l'heure. Là. Voilà, il a tiré tout seul. J'ai voulu. Bien tiré. Hein. Alors là, il y en a qui dit la chance des débutants. Enfin, elle n'est pas débutant, hein. Il joue depuis des années. Hein. Ah, du coup, ce coup-là, en contre-attaque directe. Ah, Dylan, c'est manqué. Là. Bon, écoutez, il en a manqué une dans la partie. Hein. C'est vrai c'est alors, comme quand Federer fait une double photo tennis, t'as l'impression que ça peut pas leur arriver. Non, puis bon, faut se mettre à sa place parce que quand tu joues une partie VIP avec des joueurs quasi qui sont, tu veux toujours bien faire, tu veux encore, toi, et puis les gens ils attendent beaucoup de lui également, donc ça reste quand même dur pour lui. Hein, après, ça reste dur pour lui, oui et non, parce que ça reste quand même. On va dire son métier quand même, donc que tu joues, je pense que pour lui c'est plus facile de faire une partie là aujourd'hui que mais de jouer finale d'un grand tournoi. Ils attendent beaucoup aussi également lui, bien sûr. De vouloir gagner cette partie d'exhibition de VIP, et voilà, les gens s'accrochent parce que tous les jours, après c'est comme on a toujours dit, hein, la pétanque c'est le seul sport où tu peux te permettre de jouer dès la première partie d'une compétition contre un champion du monde. Oui. Et tu peux te permettre de le battre. Demain, tu pourras jamais rien faire, que ce soit au tennis, en Formule 1 ou quoi, au caisse, non. Ah, c'est court. Non, mais il faut reconnaître que toute la journée, Dylan Rocher a été exceptionnel, d'une gentillesse incroyable avec tout le monde. Oui. Et ça, il faut le souligner parce que c'est vrai qu'on fait également beaucoup de championnats de France et on peut le croiser, prendre une photo. Mais là, il est dans une compétition nationale. Il n'est pas au temps libre, je dirais. Mais là, dans une journée comme ça, les gens vont vraiment apprécier. Il a été formidable. Oui, et je pense que s'il y aurait eu plus de monde, ça aurait été pareil aussi, hein, je pense. Hein. Oh, Christian Lemojeu fait un carreau. Donc, décidément. Je crois que ça va pas trop mal pour eux dans la partie là. Ah, il va faire pointer Kylian. Non, je suis pas sûr. Moi, je pense que Dylan va peut-être tirer quand même. Non, il va le faire pointer, je pense. Il va pas tirer le but.
Alors, ils étaient quand même bien partis. Et avec deux, trois coups de carreau en pointant, plus le coup de but. Ah, je pense que la main d'avant, ça fait mal. Ils avaient perdu par terre en jouant la dernière. Dylan, il demande à Kylian de tirer la boule, première. Puis Dylan va garder sa boule au cas où. Et à Pauline, je crois qu'elle a encore une boule. Hein. Oui, encore une boule, mais je pense que s'il manque, Dylan va tirer au bouchon. Voilà. Donc là, je pense qu'il va tirer au bouchon. Ou il le fait pointer, mais... Ah non, je pense pas qu'il va tirer au bouchon. Il a perdu, hein. Ils ont encore deux boules. Mais il y a 10 à 8 au score. Et comment tu veux qu'ils perdent sur la main? Ils en ont 3 sur la main. Ils ont plus qu'une boule, à Pauline. Non, ils en ont 2. Persuadé qu'à Pauline, en a qu'une, moi. Non, mais... Ah oui, t'as raison. Non, en fait, il y a 4 points, pardon. Là, il y en a 4 par terre. Voilà, il les fait pointer. Ah voilà, gagné le point, ça va. Oui, il y avait 4 points, c'est pour ça. C'est, Je pense pas qu'il y ait 4 points par terre, dans le sens. Bah non, parce que je vais. C'est les deux boules de Sylviane qui sont à gauche. Eh ben, mais Sylviane, elle joue bien avec Kylian et Dylan. Et les boules d'Alain, c'est les boules blanches. Et les boules d'Alain, elles sont derrière. Ah, parce qu'il a manqué sa deuxième, elle est contre les barrières. Et la première, elle a juste tapé, elle est dans les barrières aussi. Du coup, comme on parle et qu'on suit pas. Mais moi, je suis quand même. Habituellement. Comme d'habituellement là. Et là, la seule chose qui se pose, c'est qu'Apolline, en fait, elle hésite à tirer. Parce que si elle a le malheur de pas être droite et de taper la sienne à gauche, Dylan se retrouvera avec frappe et gagné. Ils vont pointer. Donc, je pense qu'ils vont pointer. Ils vont pointer. Tire le but, Apolline. Allez, on aime bien chambrer la petite Apolline Guérien. Elle est très sympathique, elle aussi. Hein. Voilà. Caro, encore d'Apolline. Trois beaux points par terre. Hein. Les points doivent être à 15 cm. Alors, je crois qu'elle reste sur 4 carreaux, hein, Apolline. Voilà, fait une partie, une superbe partie d'Apolline Guérien. Je pense que Dylan va tirer le bouchon. Je pense, oui. Quitte à en perdre 3 sur la main et d'être 10 à 11, je pense qu'il va tirer le bouchon. Elle va pointer. Il réfléchit toujours. Hein. Il verront, il dit je tire, je pointe. Ah, je pense qu'il va tirer, c'est dans les cailloux, c'est signe de tir. Allez, il vient arrocher au bouchon. Allez, court, juste court, il est bien à. Il est bien droit, mais trois points, 11 à 10. Là. Bah, c'est bien qu'il continue à bien pointer, hein. Mais oui, écoute. Allez, on en est quand même à 40 minutes de jeu. Allez, Christian de Bonjour. Ah, il est. C'est pas sympa quand même. Oh. Allez, c'est encore perdu. 3 boules à 5, on pointe encore. Allez, Apolline. Ah, c'est beaucoup mieux joué. Très très bien joué ce boule. Allez, Dylan Rocher. C'est monté, c'est tapé encore. C'est tapé. Ah.
te boule à 4. Et celui-là, faut le gagner. Ah, celui-là, faut le gagner. Faut porter au moins à la hauteur de la boule. Hein. C'est, bon, ce sera pas gagnable. Je pense pas facile. Alors, c'est ce qu'il fait. Soit à l'écart comme ça gagne. Bah, faut pas mal tomber. De toute façon, Dylan va tirer, quoi qu'il arrive. Oui, bah, mais lui, là, forcément. Puis, Dylan, encore deux boules. Allez, Dylan Rocher. Sa deuxième boule. Et voilà, c'est carreau, je l'ai vu en l'air. Ah, ça pique. C'est fantastique. Hein. On la voit en l'air. C'est fait, hein. Aïe. Que faire? Même pas tirer le bouchon. Subir. Subir. Il faut le gagner, hein. Ça va pas être simple encore. Hein. Ah ouais, c'est encore gagnable. Hein. Faut, je pense qu'il faut bien porter au niveau de la première boule. Et voilà, la petite. La petite relève. Il y a la relève qui est là. Alors là, on accueille Louise. Louise, Coquibus, la fille. Louise, la fille d'Apolline derrière. La relève. Et on a sauvé Coquibus qui est juste derrière. Allez, qui est venu encourager Apolline. Qui fait une très très belle partie. Hein. Alors maman fait une très belle partie. Hein. Ah, bravo à Kylian. C'est tapé de la part de Kylian et qui va leur permettre de battre deux boules pour mettre le 13ème, hein, tout simplement. Allez. Apolline 11 et Dylan Rocher. Alors qu'on aperçoit derrière nous Monsieur Cédric Coquibus. Le seul champion de Côte d'Or de l'année 2020. Le seul champion de Côte d'Or de l'année 2020, Monsieur Cédric Coquibus, hein. Qui est à nos côtés, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui. Voilà. Bravo, partie remportée par Dylan, Kylian et Sylviane sur le score de 13 à 11. Belle partie. Ah, c'est le moment de remercier tous les bénévoles en présence de Dylan Rocher. Voilà. Ah, on a chaud, hein, ce qui fait bon. Là. Messieurs, dames, les bénévoles, on y va, on s'approche. C'est votre photo, c'est votre journée, ça y est, on l'a réussi, wow, c'est oui, magnifique. On peut les féliciter. À tous. Ouais. Hein, voilà, je pense qu'il faut les féliciter, les applaudir. Ils ont préparé pendant de longs mois cette manifestation, cette journée d'initiation. Bravo, ça bouge. En honneur à Dylan Rocher. Voilà, Apolline Guérien, notre championne de France locale. Allez, Apolline vers, voilà, vers Dylan Rocher. On a quand même deux exceptionnels champions. Allez. Voilà, bravo. Et merci encore Dylan. Et merci à Salou.